On espionne les enfants. Hein? Ben oui, tu sais, il y a une couple de semaines, on est allé en famille voir un spectacle du Festival d'été sur les plaines d'Abraham. Ah oui, c'était une belle soirée. Mais tu t'es assis dans du vomi de chien. Ouais, mais mon point, c'est que pour pas qu'on se perde dans la foule, j'ai activé la géolocalisation des cellulaires de tout le monde sur mon téléphone. Et puis là, je viens de me rendre compte que c'est encore actif. Donc, tu peux voir où ils sont? Oui, c'est comme présentement, là, Rénal, il revient du centre d'achat. Écoute, il va donc bien vite. Oh, il a toujours conduit comme un bum. Oh, tu y diras. Inquiète-toi pas. Oh, Judith, elle avait un souper chez une amie. Ouais. Elle est déjà sur le chemin du retour. Elle va être plate. Ben, après le souper, si tu joues pas aux cartes, tout se met sacré ton camp. Exactement. Elle est bien niaiseuse de passer par le chemin Sainte-Foy. Ça va bien plus vite par le boulevard Charest. Mais t'as arrêté. Elle est allée mettre de l'essence. Ah non, elle a un char électrique. Ah, oui. Elle a peut-être écrasé un chat. Oh mon Dieu! On va en entendre parler pendant 2 ans. Je vais aller y acheter des fleurs. Heure, es-tu avec elle? Je sais pas. Non, mais il est à la maison. Peux-tu voir dans quelle pièce? Non, mais il bouge pas. Oh, il doit être aux toilettes. Oh, ça serait son genre, ça. Oh, ben, il mange assez des affaires bizarres, eux autres. Oh, puis François, il est où? C'est... Ah! Grosse soirée de mamérage, les deux pis. C'est de la prévention. Mm-hmm. Pour s'assurer que vous allez bien. Ouais. Exactement. Je vais être au sous-sol. Tu me diras si je descends les marches trop rapidement.